Ouais. Oui. C'est moi. Oui. Du coup, on se retrouve pour du coup l'épisode 6, hein, si je suis bien compté. Et je sais que je suis bien compté, parce que je suis un génie. Et du coup, on se retrouve avec l'ami Xephros, hein, qu'on va devoir du coup introduire ici et maintenant. Et oui, on en arrive à la partie intéressante finalement d'Iveswap. Ce moment où on va parler des trolls. Enfin, ça va quand même introduire des choses, donc je sais pas si j'aurais besoin d'expliquer, mais enfin. Après, je vous conseille quand même de lire Homestuck, ça peut quand même être utile pour donner quelques éléments de compréhension en plus. Bref, votre nom est Xephros Trito. Vous venez d'avoir une soirée un peu difficile. Enfin, encore une de plus, ça va, dans une vie déjà quand même pas mal difficile, étant donné que vous êtes une merde de sang de rouille. Roseblood, ah oui, Pierre, c'est vrai qu'il y a une traduction en ce terme. Roseblood. En plus, c'est moi qui l'ai traduite. Enfin non, c'était déjà traduit de base, mais c'est j'ai refait un truc, enfin une concentration de toutes les possibles traductions. Alors attendez que je retrouve ça. Alors, ah oui, c'est donc. Merde. Qu'est-ce que c'est que cette bouse? Alors oui, donc ouais, donc sang de rouille, effectivement, vous êtes une merde, sang de rouille. Et je viens de passer le texte, ça c'est très bien ça. Ah, il semblerait que vous avez reçu un colis. Ah, c'est une dérive dans un Scythien avec l'objet que vous avez avec de Scythian. Je sais pas qui ce que c'est exactement. Ah, sûrement un truc genre Amazon, enfin l'objet que vous avez commandé, bien que c'était il y a longtemps. Je suppose que c'est arrivé durant toute la confusion, hein. Et vous ouvrez le paquet et ensuite c'est le manuel de Flarp, enfin de comme je l'appelais, de Nier. Vu que c'est une version Flap, donc l'oiseau et plus l'harpe, donc le gros les JD, enfin les jeux de rôle grandeur nature. Donc c'est GN, donc c'est Ni Ni, c'est sûr de Ni. Se concentre donc sur les jeux d'espionnage, enfin les intrigues d'espionnage et les rébellions. Le tétrarque d'un mec là a construit la plupart de son de sa de ses idées de résistance underground après ce système. Et nous allons donc entrer. Bien, j'ai oublié le look. On va essayer de faire le max de texte en fait pour vous prendre à peu près ce que je veux dire pas. Alors. Ah, des gants blancs, de la cire pour les chaussures, de l'argenterie d'entraînement, tout ce qu'un majordome en herbe involontaire a besoin. C'est quoi ce truc là? C'est une passoire? C'est un casque rose, enfin le Shrek. Alors, vous utilisez ceci pour mettre en pratique vos pouvoirs bourgeonnants de technologie, ouais, de télékinésie. Vous n'êtes pas encore très bon, mais clairement, vous avez montré à ces cuillères qui est le patron. Donc, Bend. Ah, vous n'utilisez pas vos mains pour plier des. Merde. Comment ça s'appelle des cuirs. J'y vois avec le terme cuir. Hein. Pour plier ces cuirs, vous utilisez le pouvoir de votre imagination. Et par ça, vous voulez dire vos pouvoirs psychiques faibles et pas fiables du tout.
Ah oui, d'accord. Maintenant, l'œil est gelé. Enfin, l'œil est... orangé comme les... C'est un petit détail que je n'avais pas remarqué en vrai. Alors, vous jouez au pousseur, bien sûr. Ah bah non, vous êtes au poste de pousseur, bien sûr. Les 100 Bourgondes sont en général... que fait pour correspondre à cette position à cause de leur pouvoir de télékinésie et leur capacité à communiquer avec les joueurs morts. Merde, attendez. Et si la pousseur, c'est la position la plus dangereuse, et au final on s'en fout un peu si un sang de rouille se fait buter, quoi. Alors, vous vous souvenez que la semaine où le terradermite vous a fait dormir sur le sol comme exercice d'entraînement. C'était dur au début, parce que peut-être que... peut-être qu'il aurait dû vous dire que c'était un exercice d'entraînement au lieu de juste dire dors sur le sol avant que je te dise que tu peux le faire, mais ça vous a endurci. Vous pouvez dormir partout maintenant, le tétrarque est... faire en sorte que vous êtes toujours préparé pour tout. En général, c'est là où vous dormez. C'est là où vous dormez. Mais dans les circonstances, les situations habituelles, hein, c'est-à-dire votre mort imminente si vous échappez pas, c'est pas pratique pour dormir. Par contre, c'est pratique pour mourir. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de contexte, ceci s'appelle un récupéra cocon. C'est là où donc on dort. Faudrait qu'on ait un troll. Enfin, je sais pas encore expliquer exactement ce que sont les espèces des trolls. Et voilà, mais c'est là où on dort. Et le truc vert, c'est du slime. Enfin, du slime soporis. Et qu'il faut en général pas bouffer. Mais je pense que la couleur, vous l'aurez deviné. Alors là, c'est des boules de bowling. De billard, pardon. Alors, Arena Stick Ball. Boule bâton Arena. Boule bâton. Non, c'est encore plus bizarre. Bon, on va dire Arena Stick Ball parce que sinon ça va sembler très chelou. je cherche qu'il y a une meilleure manière de le traduire, mais là. Voilà. C'est le seul moment où vous êtes vraiment senti vous-même. Quand vous êtes sur que vous êtes de sortie sur le velours, votre combattant vous défend contre les... Oh, prowler, c'est chiant tout ça. Bref, c'est des termes sportifs. Les prowlers, les zappers. Enfin, y penser, vous savourez quand même un peu triste maintenant. Alors... Votre... putain... votre poster, voilà. Votre parchemin d'études. Votre net sol, les indigos. Ah oui, seuls les 100 indigos. On a quelque chose à foutre de quelle fourchette va où, mais. Et ils détruisent tout ce qui leur tombe sous la main, donc Ah bah voilà, c'est votre équipement de Arena Stick Ball. Vous jouez donc pousseur. Ah, ça rappelle des souvenirs de vos matchs joués dans la ligue. Des larves. Enfin, des larves glottes. Hors de la glotte. Je sais pas, vous essayez de bientôt rentrer dans la ligue junior des Trash Trust. Bref. Mais vous êtes un petit peu rouillé. C'est drôle parce que c'est un sang de rouille. Si vous ferez tout, vous pourriez être éradiqué. Entre les répétitions de groupe avec le Tetra Damek. Les cours de révolution du traiteur Damek et les cours finalement de majordomation voilà exactement
Enfin, vous servez principalement à tétragrammer et que vous n'avez pas vraiment le temps pour vous entraîner. En parlant de ça, vous voyez votre uniforme de majordome flambant neuf. Ah là là, ça rappelle les... ouais, pas forcément les meilleurs méboires de quand vous l'avez commandé. Ah là là, comment vous faites recevoir des trucs quand vous êtes un centre de roue, c'est quand même pas mal lent. Ah, il y a votre smash suite. Votre costume, voilà. Votre smash suite quand le tétrarque vous a aidé à faire des super figures dans les films d'action. Ma traduction se détériore de jour en jour. Vos souvenirs de ce moment ils sont plutôt chelous quand même. Ah là là. Vous n'oublierez jamais la saison où votre équipe de Rhinastic Ball vous a amené dans Ligue de Larvaire. On va dire ça au fond au moins. Mais je serais difficile. Et au cas où vous l'oubliez, bah cet orbe blanc sans absolument rien pour indiquer pour voir ce que c'est, et là pour vous le rappeler. Ah là là. Ah putain. Ah c'est vrai qu'il faudrait que je réfléchisse sur Slam Gatecube parce que c'est dans une de mes trades sur Afiso Prince Sim. Ah là là, tous les sangs, tous les cerfs-sangs qui ont jamais eu un micro dans les mains rêvent de participer à Slam of Rocket Cult. Allez, chante ou tu te feras éradiquer la gueule, voilà, on va dire ça. Le gagnant laisse derrière eux leur vie malheureuse pour la gloire, la fortune et l'amour des millions. Les perdants laissent derrière eux leur vie malheureuse pour une mort quand même assez certaine. Ah, votre tablette. Utilisez pour tout en fait. Votre micro d'auto-tuné est branché dedans. Ah, c'est votre tablette, vous l'utilisez pour à peu près tout. Vos besoins d'ordinateur. Quand plus tard. Fait le super moite-moite. Alors, c'est l'appareil parfait pour. Pour un enfant comme vous. C'est pas exactement ce qu'il dit, mais je suis traducteur. Étant donné que de toute façon vous restez plus la plupart du temps à la maison, donc en général ça reste chez vous. Heureusement, un enfant ferait partie sur les routes du bonheur. Et probablement, c'est probablement exactement ce que vous êtes en ce moment, donc vous devrez vraiment l'apprendre. En plus, votre micro est branché. Donc vous êtes pratiquement sûr de pas le laisser, voilà. Alors, vous prenez la tablette et le micro avec un petit mouvement bien contrôlé. Ils sont attachés, donc le mouvement a sûrement pas eu besoin d'être aussi d'avoir eu d'entraînement que voilà quoi. Alors, revenez donc où nous en étions. Alors, est-ce que tu veux que je te dise un truc plus alien? Non, mais je vais te voir si. Ah, bon, ça on l'a déjà dit. Alors, hop. Oh mon dieu, j'avais oublié qu'il tire cette gueule. Ouah, t'es définitivement une alien. Ou alors... Ou alors t'as une collection bizarre de maladies physiques et mentales grotesques. Oh, mais enfin bref. Tu as besoin de mon aide. Oui, c'est vrai, enfin...
suis pas absolument sûr, j'ai entendu le monstre gratter à ma porte. Oh, il a probablement juste faim. Enfin, oh là, mec, si t'es un alien, on doit te sortir de là. Ah, l'héritière déteste les aliens. La quoi? L'héritière, elle est horrible, elle contrôle tout, en fait. Enfin, même je doute qu'elle en a vraiment rencontré un jour, mais... Enfin, avant de parler, il déteste autant les aliens que les cerfs. Et ce que je suppose que ce que tu es. Ah, t'es pratiquement une membre de la résistance en fait. Alors, je sais pas quoi vraiment faire entre être confuse ou m'inquiéter pour toi en fait. T'as besoin d'aide? Alors une fois, quand il y a un truc qui était vraiment pas bien avec mon frère, ma babysitter, l'a amené au docteur, et apparemment ça l'a aidé. Alors, on prend quoi? Ah oui, docteur ouf. C'est quoi un docteur? Wow, et je pensais que ma vie... Ma vie à la maison était plutôt négligente. Ok, vraiment, je m'inquiète vraiment. Mais s'inquiéter, c'est ce que les amis font l'un pour l'autre. Bah, j'ai jamais eu personne d'autre que le tétradamec pour s'inquiéter à propos de moi. Oh mon dieu. Ah, je suis sûr que les autres tétras sont super excités pour d'entendre qu'il y a un alien qui nous aide. Oui, bien sûr. Mais en fait, en ce moment-là, je suis un peu en train d'être concentré sur le fait de ne pas me faire buter par un monstre dans l'autre salle. C'est un peu ma préoccupation principale en fait en ce moment. J'ai pas le temps pour quelque chose d'autre. Oui, bien sûr. XXD, évidemment. Je vais t'aider. Alors, il t'étraque aussi, parce que je pense que... Ça l'aiderait aussi. Ouais, ça me rappelle, on devrait vraiment pas être en train de parler comme ça. Comme quoi? Il travaille d'un mec, je lui ai demandé qu'on devait assurer que nos communications... Que nous devons toujours nous dire que nos communications sont surveillées. C'est exactement le genre de conversion que je devrais pas avoir. Oh, je dois vraiment me dépêcher, arriver. J'arrive là. Arrête de m'envoyer des messages. C'est dangereux. J'arrive. À personne. Alors. Ah, les Grubbles, si tu. Moi, c'est une chanson. Ah, c'est quand même assez dur de. De débiter vos rimes quasi révolutionnaires avec du vrai feu, alors que vous êtes habillé enfin vos des habits de majordome. En vrai cette photo toute classe. Le mec dit que vous transformez de manière subversive les restes de votre oppression dans les oh putain bref. Et l'oppression à la révolution, à travers vos mâchoires. Et vous inquiétez un peu, vos représentations se feront noyées par les désordres sarcastiques. Moi je crois que j'ai à peu près tout fait, hein. J'ai vu un truc bien. Oh, j'ai tout fait ici. Alors, il y a des posters partout. Alors, quand vous étiez qu'un jeune bonhomme. Je crois que Wriggler c'est. Une jeune larvouille vous réconfortant dans les bras de votre Lusus, vous sentez plus en sécurité que quand alors que le monde vous semblait vraiment effrayant, ce qui était quand même souvent. Ah, du matériel pour nettoyer. Ah, les nobles instruments de votre carrière future, vous supposez. Merde.
ça vous rend un peu dépressif, ça vous déprime un peu de les mettre n'importe où, vous aimez vous amuser, donc vous êtes juste foutu au fond du couloir. La rondelle de feu. Ah là là, tant de dames que vous a fait agir des sortes, un peu comme dans vos films d'action préférés. Enfin, même si c'est surtout ses films d'action préférés. Ah là là, vous êtes vraiment heureux d'avoir un Moirai qui vous soutient. Ah, ça vient de... 10e jour de la veille du Périgée. Lorsque Damek vous a donné le micro auto-tuné qu'il a fait. Ah, c'était ça, c'était son moyen de faire passer le fait qu'il bah, il a commencé... vous dire que, qu'il a commencé, qu'il a créé un groupe et que vous étiez le chanteur et que votre voix pourrait quand même aider un petit peu. Ah là là, vous aimeriez bien, vous espérez un peu, vous souhaitez un peu vivre quelque part où il y a avec un peu plus d'arbres. Et un peu quand, que surtout quand il sera un peu moins fatigué. Comme un peu pour la pour des choses dans votre vie en fait. Bien, vous n'avez pas grand chose à dire sur le sujet. Ah là là. Vous croyez toujours pas le moment qu'ils ont une photo de vous au moment exact où vous avez cogné le. Enfin, the Clover, ça c'est la quatrième boule quoi. Ah là là, quelle chance. Ah là là. Votre fidèle le fidèle chariot de nettoyage là que vous avez. Ah non, c'est le balai à franges quoi. Donc vous n'êtes pas chié de l'essorer récemment. À l'intérieur le résifluide fluide et enfin les saloperies qu'on trouve au sol ont fusionné pour faire une sorte de d'être spongieux dégueulasse. Alors, en contraste avec le truc de les maquis au percussive à votre personnage de scène est un peu plus skittish, enfin c'est effrayé, enfin c'est je sais plus exactement ce que c'est skittish. Et le skittish. Oh là là là. Que je suis drôle. Comme si vous étiez un peu vaguement terrifié des implications de votre propre de vos propres rimes pseudo-révolutionnaires. Ah, ce qui est pas si loin de la vérité. On a dit que bah, ça pourrait impliquer votre exécution. Ah, quelle bonne nuit. Et Damek a insisté pour... Faut avoir la moitié du disque savoureux. C'est comme ça que ça s'appelle les pizzas, oui. Votre Lysus a pris cette photo. Un truc... un fait absolument incroyable qu'il a jamais reproduit par la suite. Là, vous avez tellement fun dans le studio. Comme bah, le prouve ce candide que le Tetradamac vous a dit de faire. Ah, regardez-vous, tellement libre, innocent. Ah là là, vous auriez souhaité être encore en train de vous équiper pour jouer là. Ah là, vous étiez excité de vous lui montrer cette branche. Il a mangé toutes les feuilles d'une manière en une seule un seul croc très lent et bah, il ne vous restait plus qu'une cubat. Enfin c'est bon, le problème c'est qu'ils ont mélangé le billard et le baseball et le cricket, donc la première bat de queue voilà. Oh, bat de queue, on dit. Oh non. Le premier est bi à bat, voilà, bi à bat, c'est rigolo, bière.
Mais faites lit, quoi, faites maison, mais faites lit, voilà. Enfin, la première bia bat que vous avez jamais eu, en fait. Je suis traducteur. Et ça, c'est un... Ah, votre spire spinner. Votre aspirant nettoyeur, bah, il était quand même pas mal utile ces derniers temps. Pourquoi? Mais juste regardez, c'est comment ça brille au sol. C'est beau. Enfin, vous pourriez presque en être fier. Alors, ah, c'est la salle de jeu, ça. Il y a le baby foot. Ah, votre. Ah, rien de vous. Tabletop, c'est le jeu société de une gymnastique pool portable avec votre meilleur pote. Dommage qu'il est pas là en ce moment. Plus tard. Ah là là, mis en pause à l'exact moment d'un l'acmé d'un sport absolument incroyable. Ah, la Xultan Mazo, c'était le meilleur pousseur de que les snow globes que les globes de neige ont jamais eu. Aucun proleur pouvait attraper, aucun zapper pouvait le shooter et peu importe quel Lusus le Angler lui foutait sur la gueule, Mazos allait leur casser la gueule. Merde. Oula, bonne nook. Alors attendez, tout a commencé, tout a fini la nuit où l'héritière de cette époque a décidé de jouer au jeu et le contrôleur opposé a fait Mazos a fait que en sorte que Mazos le Trustis bonne nook lui envoie sa bite, quoi. Enfin, putain, je sais pas comment exprimer ça, mais Trust, c'est... Oh, c'est... Enfin, c'est une position très bizarre. Bref, c'est la pire chose à faire, et devant la personne qui a tous les pouvoirs. Alors, moment très gênant, quand même. Du coup, elle a éradiqué sur le velours. C'était pas l'héritière actuelle, hein. Enfin, c'était il y a bien longtemps, avant même que vous ne naissiez. Ah, c'est le Sport Vault. C'est le bunker des sports. C'est un gros bunker au thème des sports. Ah ouais, principalement l'Arena Stick Ball. Évidemment, quoi. C'est le seul endroit dans la réunion où vous pourrez mettre de la bouffe pour votre Lusus. Il est tellement fort, il pourrait pratiquement s'incruster dans toutes les autres cachettes, quoi. Ah, son interface se base sur la télékinésie. Ça vous... En général, ça vous épuise un peu et la combinaison est assez dure à répéter, à souvenir, quoi. Vous pouvez pas ouvrir le bunker à sport avec vos mains. Essayez de penser avant que vous agissiez. On va l'utiliser pour la télékinésie. Oui, Sid. Ah, c'est quand même dur, hein. Ça peut être vraiment compliqué de souvenir du chemin quand vous concentrez déjà sur votre télékinésie tremblotante. Ça vous aiderait si vous avez un guide dans la main. Vous l'avez, mais on ne pensait pas que c'est vraiment dans cette pièce.
Vous essayez de libérer la bille à battre, mais on dirait que vous l'avez mis un peu trop forte. Vous essayez de trouver quelque chose pour la sortir de là. Quoi, donc ? Ah non, je veux pas jouer, j'ai pas envie de jouer. C'est l'air chiant. Ça fait déjà 30 minutes en vrai, hein. C'est pas assez... Le temps passe vite. Bon, en attendant qu'il sorte sa bille à batte, pas sa bille à queue, parce que c'est absolument gênant comme terme, ça batte queue, voilà. Et qu'il ouvre sa putain de porte, on va arrêter là, et on se retrouve prochain épisode, donc salut.